Bonjour à tous et à toutes, ici Oxydor. On se retrouve aujourd'hui pour une pré-release, comme la pré-release 1.4 vient de sortir. Donc je vais vous la faire découvrir. Excusez-moi, je vais faire quelque chose. C'est des des et merde. Je me suis raté. Je me cours toujours dans la commande, donc ça time set day. Voilà. J'avais des petits problèmes. Donc voilà, vous pouvez voir aussi que j'ai pas mon skin malheureusement. C'est à cause de là. Apparemment il y a un petit bug sur les serveurs Minecraft, car je n'ai toujours rien. Je n'ai rien non plus sur les serveurs. Et tout le monde a un skin de Mexicain. Allez savoir pourquoi. Donc alors on va commencer donc les nouveautés. Je vais vous la présenter un peu tout. Donc c'est une pré-release. Donc ils peuvent encore faire quelques modifications. D'abord la snapshot 12W34. Non, si, je sais plus trop, excusez-moi, 33 je crois que c'est. Donc il y a l'ajout du bloc bécarne, l'ajout du bloc commande, mais malheureusement ça j'ai pas su l'avoir sur moi car il n'est pas dans le mode créatif. Les améliorations du commerce avec les villageois, même si je vois pas trop la différence, donc 9 émeraudes pour un legging en chaîne. Et bien sûr, donc l'amélioration du bacon. Bacon. En fait, c'est tout simplement un bloc qui vous permet d'avoir donc des effets en échange donc d'un objet. Par exemple, hop, je vais mettre une émeraude, je vais prendre par exemple aller speed. Hop, voilà, et je vais plus vite grâce à là au truc qui met speed pendant 8 secondes, même si bon, 6 secondes, vous allez dire, c'est pas énorme énorme. Et il y a aussi l'ajout d'une nouvelle potion qui est la potion d'invisibilité. Donc oui, je les ai mis dans un coffre pour rien oublier. Donc voilà. Hop, on la boit. Je l'ai bu un coup, ça aurait suffi. Et alors, hop, voilà. Nous sommes invisibles. Oui, vous ne savez pas ce que je suis. Je suis là. Je suis plus là. Wouhou! Enfin, on me voit grâce à mes petites bulles, mais voilà, ça en plus. Voilà aussi, voilà, ça c'est pour la snapshot 12W33, il me semble. Donc 12W33A exactement. La 12W34, il y a l'ajout des blocs où est-ce qu'on peut mettre n'importe quel objet dedans. L'ajout des pots, avec où est-ce que vous pouvez faire une petite décoration pour votre pote, petite fleur rouge ou verte, verte, jaune dedans. L'ajout des murets, après je vous montrerai pourquoi il y a un villageois dedans. Coloration des armures, bien évidemment, ça on va pas oublier ça. Donc la coloration des armures, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos où ce que j'explique le pourquoi, enfin le qu'est-ce que c'est tout simplement, vous prenez, donc on va prendre, je sais pas, un objet. Je vais tous les prendre, hein, je vais prendre toutes les armures. Voilà, vous prenez donc une couleur. Ouais, j'ai besoin de. Voilà. Je faille un petit peu. J'ai besoin du bloc de mon établi, de workbench. De mon crafting table. J'ai besoin de ça. Donc vous mettez ça avec ça. Et hop, vous avez un coffre bleu. Un casque bleu. Oui, nous sommes les casques bleus ici. Bonjour, je suis un casque bleu. On va prendre plusieurs couleurs comme ça. Et magenta. Ouais. Prendre des couleurs au hasard, hein. Donc voilà, on va mettre les bottes. On a des bottes jaunes, sexy. Un pantalon jaune et brun, bien jaune en plus, bien flash. Et un haut rose. On fait presque pâte à fiole habillé comme ça. Parce qu'on ne voit pas mon personnage. Hein, parce que sinon, je peux vous dire, il serait. Ah ben voilà, j'ai la potion est partie. Donc voilà à quoi je ressemble. Enfin, du moins en mexicain, voilà à quoi je ressemble. Yeah! Arriba! Arriba! Donc voilà, ça c'est pour la snapshot 12W34A. Oui, bon, je vous mets tous les snapshots car c'est la pré-release, donc ah oui, voilà. Donc pour la 12W36, je vais vous expliquer plus simplement. Je vais vous dire tout ce qu'il y a de nouveau dans dans la 20.4. Il y a les têtes tranchées. Donc par exemple, allez, vous avez tué un zombie, il peut vous dropper sa tête. Et sa tête, vous pouvez l'utiliser comme décoration qui peut se tourner à 360 degrés. Oui, 360 degrés, vous avez bien entendu, c'est un bloc de décoration. Donc je vais prendre
La tête de Creeper par exemple. Donc je peux le tourner par exemple dans tous les sens. Hop, 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 hop. Voilà, je suis entouré de Creeper. Vous n'avez rien vu. Hop. Et nous pouvons aussi l'utiliser comme casque pour s'amuser. Donc voilà, vous pouvez me voir avec une tête de Creeper. Je suis tout sexy, tout beau. Non, je déconne. Nous, on n'explose pas, nous. On n'explose pas. Attention. Il y a aussi, donc, avec les villageois, si vous avez, donc, un zombie qui va malencontreusement attaquer un villageois, le villageois mort se transforme tout de suite en zombie. Donc, vous pouvez voir un zombie à gros pif. Donc, voilà, on va laisser mourir à deux. Voilà. Von Demetros, Satanas. Donc voilà. Donc il y a aussi ça sera pour après. Donc des nouveaux PNJ genre la sorcière qui nous lance des potions de poison si je me rappelle bien. Oui effectivement, mais elle se blesse elle-même en se lançant des potions de poison, donc elle est pas très maligne. Elle se blesse elle-même, c'est pas très très malin de sa part à cette pauvre petite sorcière. Donc c'est un nouveau PNJ. Vous avez aussi donc un nouveau mob. Je vais remettre les trucs que j'ai là. Hop, un nouveau mob qui est en fait très simplement une chauve-souris. Pop, pop, pop. Bah, elle est partie où? Ah voilà, elle est en train de voler. Vous pouvez voir, il y a des chauves-souris donc c'est, elles nous attaquent, mais elles doivent être hyper dures à tuer, je crois, parce que ça a l'air de voler assez vite. Voilà. Donc ça c'est fait. Nous avons donc de nouveaux objets. Donc carottes, potato. Donc je vais vous les carottes, les patates cuites, bien sûr. Nous avons qui est donc il y a aussi donc les objets, la viande et tout ont une nouvelle. Ils ont un nouveau skin. Donc mieux fait qu'avant. Enfin mieux fait. Ça dépend vos envies. Nous avons donc aussi la canne à pêche à carottes, la tarte aux citrouilles. Oui, vos citrouilles vont enfin servir à quelque chose. Vous allez pouvoir enfin vous faire des tartes aux citrouilles. C'est magnifique tout ça. Oui. Donc pourquoi on a ça? Donc pourquoi on a une carotte attachée donc à ça? Si je prends pas la selle, ça va pas le faire du tout. Mais malheureusement, je ne sais même plus ce qu'elle est cette selle. Si ça se trouve, je vais même passer dessus. Non, elle a pas l'air d'être là. Et je fais un épisode. J'ai oublié. C'est un des seuls trucs que j'ai oublié, c'est dommage. Je ne sais plus trop, mais si vous montez sur le cochon, donc après, vous serez le dirigé. Donc, avec ça, grâce à ça, grâce à cette. Cette branche de carotte. Oui, donc, je le trouve pas apparemment. Je sais pas vraiment où ce qu'il est. Non, pas là. Il est pas dans l'hôtel. Il est pas dans la nourriture. Il est pas là-dedans non plus. C'est dommage. Au départ, j'aurais cru qu'il serait là-dedans. Ah, ben il est là. Voilà, la selle. Donc voilà. Vous montez sur le cochon. Et puis, hop. Avec la carotte, vous le dirigez et il peut sauter au-dessus des cubes. Un cochon qui saute au-dessus des cubes, c'est pas magnifique tout ça? Et bien sûr, hop, voilà, on va descendre du cochon. Voilà, vous n'avez rien vu. Donc bien sûr, oui, il y a eu des nouveaux mobs, mais ça, les mobs, je les ferai apparaître à la fin pour ne pas donc perturber donc la map, parce que sinon tout va faire, ça va faire boum et puis on n'aura plus de map. Et je pourrais pas continuer à vous faire votre machin si nous n'avons pas si nous n'avons pas toute la map. Donc oui, il y a un nouveau mob dans le Nether que j'irai trouver par après, qui est un squelette noir plus grand que les squelettes normaux. Donc voilà. Donc je vais continuer d'abord les explications des nouveautés. Donc il y a aussi la nouveauté de l'écume qui est vraiment pas cher, qui est facile à construire et tout, qui va pouvoir vous servir à donc renommer votre épée. Donc si vous avez donc voilà, là par exemple ça va coûter 7 niveaux. Oxy Sword,
Yeah! Voilà, vous avez entendu le petit bruit de tac 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 pour dire que l'épée était faite. Et donc les noms sont écrits, donc vous pouvez voir qu'il fait marquer Oxysword, qui veut dire l'épée d'Oxydor. Et voilà, ça c'est quelque chose de nouveau. Donc il faut savoir que si vous utilisez l'enclume, au bout d'un moment elle commence à se casser, et alors de plus en plus elle se casse. Oui, c'est pas une enclume infinie, vous n'allez pas pouvoir donc faire ça indéfiniment. Donc il y avait aussi avec les zombies, oui, Danto on a parlé des zombies. Donc les zombies peuvent avoir de nouvelles armes, des armures. Je sais pas s'il y en a un qui aura une armure. Oups, je crois que je viens de faire cracher mon jeu. Non. Bon, il n'y en a aucun qui a une armure, c'est dommage. Parce qu'en fait, maintenant les zombies peuvent avoir donc des armures. Ou des épées aussi. Ils veulent pas me donner un zombie avec une épée ou avec une armure. Ça aurait été bien que j'en ai un. Mais bon. Voilà, je pense, vous m'avez compris, donc les zombies peuvent avoir une armure, une arme, donc une épée ou que ce soit n'importe quoi. Les squelettes aussi peuvent donc maintenant avoir une épée ou des armures. C'est assez bien, donc si j'attaque les zombies, ils peuvent par exemple me faire dropper leur tête pour donc les casques que j'ai expliqué tantôt. Maintenant qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les nouveaux mobs, donc on se retrouve tout de suite. Autre nouveauté de la 1.4, les slimes peuvent spawn pendant la nuit dans les biomes marais. Donc il y en a un ici, un tout petit là, et il me semblait que j'en avais vu un plus gros, mais ils font aussi un autre bruit qui est moins classe. Je l'ai entendu. Ah voilà, vous avez peut-être entendu le bruit de l'araignée quand elle avance, ça fait c'est les nouveaux bruits de Minecraft. Oui, j'avais oublié de vous en parler. Il y a des nouveaux bruits de Minecraft. Là dans l'herbe, c'est nouveau. Donc là, vous entendez un slime. Mais regardez quand on marche dans l'eau. Nous avons des nouveaux bruits dans l'eau. Ah, excusez-moi. Un épisode sans message n'est plus un épisode chez moi. Voilà, parce que nous avons tellement. J'ai tellement d'SMS des fois. Voilà, regardez. Voilà, il est là le gros. Je sais pas qu'est-ce qu'il fout dans l'eau, mais écoutez-moi le bruit. C'est moche! C'est moche comme bruit! C'est moche! C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. J'avais vu aussi un zombie avec une armure ici dans le coin, mais je l'ai perdu de vue et il a peut-être despawn. Je sais pas vraiment. Mais il avait une armure donc en cuir. Donc les zombies peuvent porter des armures en cuir. Et oui, les amis. C'est fini les zombies sans armure, sans défense et tout. Mais non, les zombies peuvent se défendre avec une armure. Et ils peuvent nous casser la gueule en 3 secondes. Non, je déconne. Ils sont juste plus résistants aux attaques. Donc voilà. Maintenant, je vais aller voir. Je vais vous faire. Donc, oui, je sais, j'ai plus les objets sur moi. Je vais vous faire spawn le nouveau mob. Donc le nouveau boss qu'il y a dans ce mode. Enfin, dans la nouvelle version. Qui est tout simplement un. Donc voilà. Deux blocs comme ça. Voilà. Voilà. Et alors là après, au-dessus, un bloc, deux blocs. Et attention. Epic fail. Je crois que c'est avec les noirs en fait, je me suis trompé. Oui, effectivement, c'est avec les noirs, désolé. Hop, hop, hop. Une, deux, trois. Boum, boum, boum. Attention. C'est le Wither. Nouveau mob. Boss de la 1.4.1. Attention, voilà. Il a toute sa vie et il fait tout. Quand il a toute sa vie, il fait tout péter et il attaque tout. Regardez-moi ça. Il attaque vraiment tout ce qu'il y a sur son passage. Donc, faites gaffe quand vous le faites spawner. Ça doit être un boss vraiment très dur. Surtout que il a beaucoup de vie. Voilà, vous pouvez voir, il fait des drôles de bruits assez étranges. Maintenant voilà, il s'est énervé, je vais m'éloigner. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il lance des têtes. Et les têtes, c'est tout simplement des trucs qui explosent. Regardez, boum. Boum boum. Voilà, donc ça attaque. Il attaque même les mobs pour vous dire tout ce qu'il attaque. Il attaque vraiment tout ce qu'il trouve. Voilà, encore un slime.
de slim. Donc voilà, vous pouvez voir que les slims apparaissent beaucoup dans les marécages maintenant, la nuit. Donc maintenant, si vous voulez des slim balls, tout de suite, allez dans les marécages. Trouvez-vous un bon bio marécage. Et cher, ah bah voilà, en même temps, il y a les chauves-souris. Et trouvez-vous donc plein de slim. Donc maintenant, je vais aller dans le désert et essayer de vous trouver donc le nouveau squelette qui se trouve dans le nether. Et dès que je l'ai trouvé, je reviens à vous. Allez, à tout de suite. Et voilà, par chance, j'en ai trouvé un directement. Donc vous pouvez voir qu'il est plus grand que moi. Il est grand, il est beau, il est fort et enfin, il est fort. Donc vous pouvez voir qu'il porte une épée à la. Enfin, attendez, je vais vous montrer ça. Je vais m'attaquer à lui. Donc vous pouvez voir. Bah, il est parti où? Allez, voilà. Il se balade donc avec une épée. Et voilà, écoutez les bruits qu'il fait. Voilà, donc il nous peut nous dropper donc du charbon comme vous pouvez le voir. Il se trouve beaucoup. Il y en a beaucoup qui se trouvent dans les forteresses. Donc comme les. Voilà, j'ai un crâne de lui par exemple. Comme les. Voilà, donc il y a aussi le. Dommage qu'il s'est pas mis à côté parce que j'aurais pu vous montrer la différence entre le normal et lui, le niveau de la taille. Donc il se trouve beaucoup dans les forteresses du Nether. Et vous pouvez facilement le trouver dedans car vous pouvez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc voilà, je pense que je vous ai montré toutes les nouveautés de cette version. Donc maintenant il faut bien sûr qu'ils vont faire des nouvelles. Regardez, voilà, mon portail il est là. Il est là mon portail, il est vraiment pas loin. Donc j'ai vraiment eu de la chance, j'ai été vraiment chanceux de tomber dessus même si ça va me servir à rien. Car comme je suis en snapshot, la partie je vais l'effacer, c'était juste pour vous montrer ça. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine et à plus tard. Allez, à plus!